Bienvenue à cette autre séance d'apprentissage. Je suis M. Angoïve Patrick, enseignant de chimie. Nous sommes toujours dans la continuité des cours de chimie de classe de terminale C, D, E et T, I et toujours dans ce qui concerne le module 1 du module intitulé chimie organique. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon 5 qui sera intitulée la préparation des alcools. Mais avant d'arriver à cette leçon 5 proprement dite, nous allons corriger le petit devoir laissé lors de la leçon 4. Et pour cela, nous allons d'abord procéder au rappel du devoir. Alors, qu'est-ce qu'on disait dans le devoir? On dit, on a réalisé l'oxydation ménagée de l'un des alcools de formule brute C4H10O par une solution acidulée de permanganate de potassium. Le produit formé a donné un précipité jaune avec la 2,4-BH et n'a pas réagi avec le réactif de chiffre. Comme consigne, on vous demandait de préciser en les justifiant l'alcool utilisé. Deuxième question, de décrire la réaction et écrire l'équation ou les équations de la réaction qui s'est produite. Donner le nom et la famille du ou des produits formés, parce qu'il peut arriver qu'il se forme plusieurs produits. Et troisième question, on dit la déshydratation intramoléculaire, on dit bien intramoléculaire de l'alcool a donné un composé C. Petit a, écrit l'équation de cette réaction en précisant les conditions expérimentales. Petit b, donner le nom et la famille de C. Voilà donc rappeler le devoir laissé lors de la dernière leçon. Nous allons donc ensemble procéder à sa correction. Il était question à la première question de déterminer l'alcool utilisé en le justifiant. Évidemment, on va noter que l'alcool utilisé est un alcool secondaire car le produit formé est une cétone. Il est positif à la 2,4-DMPH et est négatif au réactif du chiffre. Nous savons qu'il n'y a que les cétones qui sont capables de cela. Donc, on retient donc que, étant donné que le produit formé a donné une réaction positive à la 2,4-DMPH et un test négatif au réactif de chiffre, on peut conclure que c'était une cétone. Et si c'est une cétone, alors l'alcool de départ était un alcool secondaire. Voilà en ce qui concerne la première question. Maintenant, si c'était un alcool secondaire, alors évidemment, ça ne peut être que le butane de haut autant pour moi, dont la formule semi-développée est la suivante. Donc, ça sera cet alcool. Qui est le butane de haut. Deuxièmement, on demande de décrire l'équation de la réaction. Il y a deux étapes. D'abord, la description et après, écrire. Pour décrire, qu'est-ce qu'on va dire? L'alcool, la description est la suivante. L'alcool est mélangé à une solution acidifiée de permanganate de potassium. La réaction est traduite par une décoloration de la solution de permanganate. Aussi simple que ça. Donc, lorsqu'on va mélanger l'alcool avec une solution acidifiée de permanganate de potassium, on dira qu'il y a une réaction s'il y a décoloration de la solution de permanganate de potassium. Maintenant, on demande d'écrire l'équation ou alors les équations des réactions qui se sont produites. C'est simple. Donc, on a une première équation. Le permanganate, tu vas voir, c'est MnO4- qui prend 8H3 avec 5 électrons pour donner Mn2++ 12H2O. Maintenant, la deuxième, c'est l'alcool. Je vais dire que c'est le butane de haut. Étant donné que c'est un alcool secondaire, vous avez vu ici, on a l'habitude de parler de la quantité d'oxydant. Donc, dans notre cas, que l'oxydant soit en excès ou en défaut, on obtiendra toujours une cétone. Donc, on va prendre plus 2H2O qui va donner notre cétone. Plus maintenant 4H3 plus 2H3 plus 4 moins plus 2 électrons. Vous voyez donc, pour faire l'équation bilan, c'est même ce pouvoir. Là, on a échange de 5 électrons
Alors qu'ici, on a échange de deux électrons. Alors, pour faire l'équation bilatérale, il faut équilibrer les charges. On va donc multiplier là par 2. On va multiplier ici par 5. Donc, vous multipliez la première équation par 2 et la deuxième équation par 5. Ça va nous donner, vous obtenez l'équation bilan. Donc, ça va faire 2MNO4 moins plus 5 CH3 CH2 CH3 plus 6 H3 ou plus, ce qui va donner. L'autre côté, on aura 2M, N2 plus, plus 5, CH3, CO, CH2, CH3, plus 14 H2O. Voilà donc l'équation bilan qui est de la réaction formée. Alors, la question suivante était de donner le nom du produit formé. Le produit formé, vous voyez le voici, c'est le butane de on. On a parti de l'alcool, donc pour l'acétone, le butane. Et c'est une c'est un composé qui appartient à la famille des cétones. Maintenant, on demande l'équation de la réaction conduisant au composé C. Là, on vous a dit qu'on a fait réagir. On a le composé C avec un alcoolate. On a chauffé et on a obtenu un composé C. Le composé C est tout simplement l'alcène. On a procédé à une déshydratation. Et dans ce cas, faut voir que en fonction de la position du OH dans la fonction alcool, deux alcènes peuvent se former. Donc on avait ça. On peut avoir deux alcènes. D'abord, le premier où la désintégration a lieu avec les deux premiers carbones. On aura donc l'alcène ici. Ou encore, plutôt avec ceci. Donc, lorsque le carbone fonctionnel a deux atomes d'hydrogène en position alpha, il est possible d'obtenir deux composés. Donc, on va obtenir également celui-ci. Vous voyez qu'on obtient un alcène symétrique et un alcène dissymétrique. Si on réhydrate, donc vous voyez que par contre, si on réhydrate celui-ci, on obtiendra les deux composés. On obtiendra deux composés, celui-ci et un autre. Alors que si on réhydrate plutôt celui-ci, on obtiendra un seul composé. Nous allons passer donc à la leçon du jour, qui est intitulé la préparation des alcools. Alors, cette leçon va suivre le plan suivant. Nous allons commencer par présenter les objectifs. Après, nous allons donner les prérequis nécessaires pour aborder la leçon. Nous allons par la suite passer à une situation de vie. Après la situation de vie, on va faire l'activité d'apprentissage qui sera suivie du résumé. Et nous allons procéder à un petit exercice d'application et terminer par un devoir. Alors, comme objectif, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous devez retenir que à la fin de cette leçon, on doit être capable de préparer les alcools par hydratation des alcènes. Donc, l'objectif qu'on va atteindre ici, c'est que vous soyez capable de préparer les alcools par hydratation des alcools, des alcènes, et de préparer plus spécifiquement l'éthanol par fermentation alcoolique. Donc voilà les deux objectifs du jour. Préparer l'éthanol par fermentation alcoolique et préparer les alcools par hydratation des alcènes. Pour faire cela, ou alors pour atteindre cela, nous avons besoin des prérequis sur les alcènes. Nous avons besoin des prérequis sur les réactions d'addition et également des prérequis sur la distillation. Sur les alcènes, on doit retenir tout simplement que on doit se souvenir, on doit se rappeler que les alcènes sont des composés organiques renfermant au moins une double liaison carbone-carbone. Et leur formule brute, c'est NH2N. L'alcène le plus simple est l'éthylène, C2H4. Vous avez vu en classe de première.
Maintenant, sur les réactions d'addition, vous devez retenir que, ou alors on doit se rappeler que une réaction d'addition est une réaction d'ajout d'un ou de plusieurs atomes à une molécule insaturée. Comme c'est le cas qui est illustré là, vous voyez qu'on a une molécule insaturée là, on ajoute deux molécules, AB, une molécule AB, et ça serait parti. Vous voyez qu'on a additionné, il se forme à la fin un seul produit. Maintenant, il faut retenir que lors de cette addition, ça va dépendre de la nature de l'alcène. Si l'alcène est dissymétrique et que la molécule AB a l'hydrogène parmi les atomes qui vont s'ajouter, alors on va appliquer ce qu'on a appelé la règle de Markovnikov. On obtiendra deux composés parmi lesquels un sera majoritaire. Maintenant, comme prérequis aussi, il y a sur la distillation. Vous devez tout simplement retenir que la distillation est une technique de séparation d'un mélange de liquide basé sur les différences de température d'ébullition. Comme exemple, il y a la séparation des produits dérivés du pétrole dans une tour de distillation. Vous avez vu ça également en cas de troisième. Ces prérequis étant donc présentés, nous allons passer à la situation de vie. Notre situation de vie est sur la pénurie ou alors sur un risque de pénurie de l'éthanol. Vous devez retenir que la COVID-19 fait naître dans le monde entier une bataille pour fabriquer les liquides désinfectants à partir de l'éthanol. Donc la plupart des liquides désinfectants qu'on utilise sur le marché sont fabriqués à partir de l'éthanol. Donc tout le monde s'intéresse déjà à l'éthanol. Alors, cette situation va créer automatiquement une pénurie si la saignée ne s'arrête pas. Donc, si la crise sanitaire n'est pas maîtrisée, à force d'utiliser l'éthanol qui était déjà beaucoup sollicité, on arrivera à une pénurie. Maintenant, le problème qui se pose est comment préparer l'éthanol pour pouvoir éviter la pénurie en question. Comment est-ce que vous, les chimistes, vous ayant fait la classe de chimie en terminale, ayant fait les cours sur les alcools, comment pouvez-vous être capable de produire l'éthanol pour aider les populations à fabriquer les liquides désinfectants? C'est donc là le problème posé par notre situation de vie. Et à la fin donc de la leçon, il est question pour nous que nous soyons capables de répondre à cette question. Donc, nous sommes capables de dire comment est-ce qu'on peut préparer l'éthanol pour pouvoir assister les gens qui en sont dans le besoin. La situation de vie ainsi présentée, nous allons donc passer à notre activité d'apprentissage. Nous devons retenir que nous sommes là, n'oublions pas la leçon du jour. Notre leçon est basée sur la préparation des alcools. Et nous avons vu que cette préparation pouvait se faire par deux méthodes. On a d'abord vu l'hydratation des alcènes, où de manière générale, on peut préparer les alcools. Et on a également vu que l'éthanol, précisément, peut être préparé par fermentation alcoolique. Donc là, précisément, nous sommes dans le cas de l'hydratation des alcènes. Alors, nous voyons donc que l'hydratation des alcènes consiste à l'addition d'une molécule d'eau sur un alcène. Vous voyez comme on l'a schématisé là. On a un alcène de manière générale qui se présente là. On y ajoute l'eau. Et on va obtenir ce qu'on voulait, qui sera appelé alcool. Voilà donc la réaction d'hydratation des alcènes. Vous voyez que là, je n'ai pas mis le catalyseur. Vous avez vu en place le premier que ça se faisait en présence de l'acide sulfurique concentré. Maintenant, dans la pratique, vous devez noter que cette réaction se fait donc en milieu acide. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la réaction d'hydratation se fait en présence de l'acide sulfurique concentré. Et étant donné que, vous vous souvenez, dans les exercices qu'on corrigeait,
deux produits, on a deux types d'arsènes. On a les arsènes symétriques, on a les arsènes dissymétriques. Vous devez donc retenir que si l'arsène de départ est symétrique, on aura un seul alcool. Je prends le cas de l'éthanol. Vous voyez? Si j'ai l'éthylène que je vais hydrater en présence de l'acide sucrique, j'aurai tout simplement l'éthanol. Il n'y a pas deux possibilités. Parce que notre arsène est symétrique. Symétrique veut dire, vous voyez que là, de part et d'autre, dans toutes les zones, on a le même type d'atomes. Maintenant, si l'arsène est dissymétrique ou encore non symétrique, on va vous noter qu'il va, il y a possibilité de former deux composés. On aura deux alcools qui vont se former. Ceci, c'est juste par. Je vais prendre le propène. Vous voyez, c'est l'arsène. Vous voyez que si je prends, je mets une barre là, entre la, dans la double liaison, j'aurai des mouvements différents. Donc l'arsène, si est dit dissymétrique. Lorsqu'on va donc hydrater, on aura deux possibilités. Vous voyez, l'eau se présente ici, il suit. Dans un premier cas, l'hydrogène sucre pourra se fixer ici et le groupe OH se fixe là. On obtient, ça c'est la voie qu'une, on obtient donc le composé ici. Ça c'est la voie qu'une. Maintenant, par la voie 2, l'hydrogène se fixe plutôt là et le OH se fixe ici. Après ça, la voie 2, on obtient plutôt ceci. Donc, lorsque la scène est dissymétrique, voilà donc ce qui va se passer. On obtient automatiquement deux composés. Maintenant, ce qui se pose souvent, c'est comment choisir le composé, lequel des composés choisir. C'est là où fait intervenir ce que nous avons vu dans les prérequis, la règle de Markov-Nikov. La règle de Markov-Nikov qui dit que lors d'une telle addition, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné. Ça veut dire que le composé majoritaire sera pour lequel l'hydrogène s'est fixé sur le carbone de la double liaison le plus hydrogéné. Vous voyez qu'ici, voici notre double liaison. Dans la voie 1, l'hydrogène va avoir autant pour moi. Voilà les deux carbones de la double liaison. Celui-ci porte deux hydrogènes, celui-ci porte un seul. Dans la voie 1, le OH s'est fixé sur le carbone le moins hydrogéné et l'hydrogène s'est fixé sur le carbone le plus hydrogéné. Donc ça veut dire qu'à la fin, celui-ci sera le composé majoritaire. Donc voilà le composé majoritaire, c'est lui donc qui respecte la règle de Markov-Nikov. L'autre sera minoritaire. C'est vrai qu'une fois à l'université, on va vous donner une autre règle qui ou quelqu'un d'autre qui a lui l'a prouvé que c'est l'autre qui est majoritaire. Mais pour le moment, retenez que la règle de Markov-Nikov lors de l'hydratation des arsènes symétriques permet de fixer quel est l'arsène, quel est l'alcool autant pour moi majoritaire. Voilà donc terminé avec la première préparation qui était l'hydratation des arsènes. Maintenant, on va passer à la deuxième préparation, principalement l'éthanol. Comment obtenir l'éthanol? En procédant par fermentation alcoolique. Vous notez que la production de l'alcool se fait tout simplement par une simple fermentation. Donc les végétaux sont fermentés par une levure qui transforme le sucre en alcool, évidemment en dégageant le CO2. C'est maintenant après ça que le produit obtenu est distillé afin qu'on puisse récupérer l'éthanol. Donc la plupart, qu'est-ce que ça veut par là dire? Que la plupart des végétaux contiennent du sucre. Alors, lorsque donc il y a une levure qui est présente dans ces végétaux, cette levure va transformer le sucre en alcool.
il va se produire un léger dégagement de CO2. C'est donc ainsi que l'éthanol est récupéré lorsqu'on prend en procédant par une simple distillation. Donc c'est ça, vous devez retenir que l'éthanol peut être obtenu par, à la suite d'une fermentation des sucres contenus dans les végétaux en alcool, et ceci suivi d'une distillation qui permet de récupérer l'éthanol. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez retenir à la suite de notre leçon? On retient tout simplement que les alcools sont préparés par deux principales voies, à savoir l'hydratation des alcènes et la fermentation alcoolique. Et que l'hydratation des alcènes non symétriques conduit à la formation de deux alcools, dont la majorité est obtenue par application de la règle de Markov-Nikov. Donc voilà donc, en résumé, sur cette leçon, ce que vous devez retenir de manière générale. Que les alcools sont préparés par deux principales voies, soit on procède à l'hydratation des alcènes, soit on procède à une fermentation, principalement pour l'éthanol. Et que lors de l'hydratation des alcènes non symétriques, on obtient toujours deux produits, et le produit majoritaire est régi par la règle de Markov-Nikov. Voilà donc terminé avec la leçon du jour. Nous allons donc maintenant procéder à un petit exercice d'application avant de laisser le devoir qui sera corrigé pour la prochaine séance. Alors, que dit l'exercice d'application? On dit, on considère un alcool de formule semi-développée suivante. CH3, CH2, CH, CH3OH. Première question, donnez le nom de cet alcool et en déduit sa classe. Donc voilà l'alcool, on demande de donner son nom et sa classe. Deuxième question, l'alcool est obtenu par hydratation du but1N. Écris l'équation de la réaction. Donc voilà donc le petit exercice. Nous allons ensemble procéder à sa correction. On a donné l'alcool, CH3OH, CH2, CH3. Première question, on demande le nom de l'alcool. Le nom c'est quoi? Pour donner un numéro 1, 2, 3, 4. On voit que dans un sens, le carbone fonctionnel est en position numéro 2, alors que ça fait 1, 2, 3, 4. Ici c'est en position numéro 3, donc on choisit le sens qui donne l'indice le plus petit possible au composé A, à la fonction prioritaire. Donc ça va faire butane de Hall. Voilà donc le nom du composé. On demande sa classe. Où est que le OH ici, ou alors le carbone fonctionnel est lié à deux groupements alkyl. On a vu que dans les alcools primaires, le carbone fonctionnel doit être lié au plus à un seul groupement alkyl. Dans les alcools secondaires, à deux groupements alkyl. Dans les alcools tertiaires, à trois groupements alkyl. Étant donné qu'ici, c'est lié à deux groupements alkyl, on va donc conclure que notre alcool est un alcool secondaire. Donc, le carbone fonctionnel est lié plus à deux groupements alkyl. Donc, c'est un alcool secondaire. Deuxième question. On dit, l'alcool est obtenu par hydratation du but1N. Écris l'équation bilan de la réaction. Le but1N, j'écris la réaction. On dit donc qu'on a réalisé l'hydratation. Ça fait plus H2O en présence de l'acide sulfurique. Il faut toujours poser le catalyseur. Quand on obtient cet alcool, donc, quand je suis comme ça, vous écrivez d'abord l'équation de la réaction de manière où l'alcool, l'acide est dissymétrique. Vous écrivez d'abord les deux composés pour les obtenir et vous sélectionnez celui. Donc, on obtient d'abord ça. Et c'est lui le majoritaire, mais par la suite, il y a également automatiquement celui-ci qui se forme. Mais comme nous on s'intéresse à celui-ci, ça veut dire que voici le composé majoritaire.
se former. Voilà donc ce qui concerne la correction de l'exercice. Donc on a dit alcool secondaire, but du orbitant de Hall. Par la suite, nous avons dit les questions bilan de la réaction. Voilà ça. Vous voyez, j'ai dit qu'il se forme normalement deux composés, mais ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. C'est pour ça qu'à votre niveau, sur les positions, on a dit écrire les questions qui permettent de l'obtenir. Vous pouvez vous arrêter à un seul produit, mais si on ne précise pas le nombre de produits qu'il y a pour continuer jusqu'à deux produits. Ceci dit donc, nous allons laisser le petit devoir. Donc, voilà le petit devoir pour la prochaine séance. On vous dit, deux alcools isomères A et B comportent chacun 4 atomes de carbone. On se propose de les identifier à partir des réactions d'oxydation par du permanganate de potassium en milieu acide. Première question. On dit dans ces conditions, l'alcool A conduit à un mélange de deux composés C et D, alors que l'alcool B conduit à un produit organique unique E. Première question. Le produit organique C réagit avec la liqueur d'éphéline à chaud pour donner un précipité rouge brique. Deuxièmement, donner la formule semi-développée et le nom du composé C, sachant que sa chaîne carbonée est ramifiée. Troisièmement, en déduire les formules semi-développées et les noms des composés A et D. En déduire les formules semi-développées et les noms des composés A et D. Quatrième question, on dit, le composé organique E réagit avec la 2,4 DNPH pour donner un précipité jaune. Mais il ne réagit pas avec la liqueur de Féline. Je reprends. Vous voyez que là, il y a déjà une précision. Le composé organique E réagit avec la 2,4 DNPH, mais il ne réagit pas avec la liqueur de Féline. Alors, on vous demande de déterminer les formules semi-développées et les noms des composés organiques E et B. Déterminer les formules semi-développées et les noms des composés organiques E et B. Enfin, dernière question. La déshydratation intramoléculaire de B aboutit à F. Écris l'équation bilan de la réaction. La déshydratation intramoléculaire de B aboutit à F. On vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Voilà donc terminé avec la leçon du jour. Nous avons terminé par le petit devoir que vous allez faire à la maison pour vous exercer. Donc, on va donc vous prenez la peine. Vous voyez que cette leçon 5 marque la fin de la séquence sur les alcools. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que cet exercice parcourt pratiquement toutes les 5 leçons qu'on a eu à aborder. Donc, dès la prochaine séance, on commence avec une autre séquence sur les acides carboxyliques. Donc, notre prochaine leçon va donc se faire sur les acides carboxyliques.